That's me. The words.
You're perfect, 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 you're perfect,
He's teasing me.
I'm gonna go.
show you might. On your flight, I show you sight. What it takes is up in the stakes. On my plate, I give you light. On my beats, on my treats. Stamp and stomping, stamp and stomping, stamp and stomping. Things are different now.
to have it all? Should we find it easy? Corners hate the need to know what the future holds.
but they perform. Drives too fast, drives too flash, drives too fast, too fast, too flash, too flash, too flash. Doesn't care about your crash.
Ok, super, c'est bon. Alors, pour toutes les personnes qui sont en ligne d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions à Vitalik, vous avez quelques minutes pour les poser. Phil, tu veux bien me donner ton portable ? Pour que je check les questions des personnes en ligne, merci beaucoup. Effectivement, tu vois, léger différé. Voilà, alors moi j'ai plein de questions et si vous avez des questions à poser, là vous pouvez les poser pendant que je pose quelques questions à Vitalik et puis je poserai les meilleures. Je trouve que tu as un côté, enfin tu as clairement un côté assez rock dans ta musique. Tu trouves pas ? Si, mais il y a du rock, de la disco, de la techno ouais. Et puis de. Dernièrement ouais, y a, c'est un mélange, de, c'est pas dernièrement, il y a toujours de la disco, mais c'est un mélange de tout ça en fait. Mais c'est pas de la techno pure et dure, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Et quelles sont tes influences? Qu'est-ce que tu écoutes par exemple en ce moment? En ce moment, hors électro, je veux dire. Hors électro. T'écoutes que l'électro en ce moment? Non, mais sinon j'écoute des trucs folk ou des trucs de piano. J'écoute beaucoup de piano voix en fait. Ouais. Beaucoup de disco, mais je suis toujours en tournée avec mon équipe. On écoute des trucs pas possibles de disco. c'est des trucs de fête quoi. Ouais. Genre, tu peux nous citer un titre? On est fou de Sheila. On est fou de Sheila the Spacer, ce vieux truc. Okay, on ne peut pas être plus proche. Hein, ah oui, là on est très proche. Sheila, d'accord. Sheila the Spacer, donc c'est ces trucs de disco, années 70, avec des synthés, ça nous plaît bien en tournée. Ouais. Et d'ailleurs, tu as sorti donc, ton dernier album, Voyageur. Ouais. C'est bien Voyageur, c'est pas Voyager. On dit comme on veut. Comme on veut. Ouais. Où il y a clairement un changement, je trouve, au niveau du style par rapport aux albums précédents. Et justement, on sent quand même des notes disco. Pourquoi ce virement de... Mais tous les albums sont différents, si tu regardes bien. Oui, oui, donc, à chaque album, je change d'orientation, enfin de couleur, parce que ça ne me semble pas intéressant de refaire la même album chose que j'ai déjà fait. Donc, aussi, mes goûts évoluent avec le temps. Souvent en réaction par rapport à ce qui se passe, d'ailleurs. Donc du coup, ce qui se passe dans la musique ou de manière générale, oui, c'est dans le monde. J'ai commencé à voyager à un moment où la techno commençait à monter très fort et tout, et très rythmique. Et j'avais envie de mélodie, donc du coup, j'ai fait des trucs très mélodiques. D'accord. Je check s'il y a des questions. Est-ce que tu envisages de jouer au Berghain ou autre club sur Berlin prochainement? Alors, j'ai déjà joué plusieurs fois au Berghain. À Berlin, j'ai déjà fait ma tournée en Allemagne, donc. Ouais. Je rejoue pour les festivals, mais plus en club en ce moment. Ouais. Pour ce qui va venir, c'est plus des festivals. Ouais. D'ailleurs, parlons de quand même ta date principale qui arrive là, c'est le Zénith de Paris le 2 décembre. Décembre, ouais. Tu l'appréhendes comment cette date? C'est toujours un rendez-vous spécial, comme les Olympia et Zénith, c'est des rendez-vous un peu spéciaux. Donc je l'appréhende comme entre le truc très... très travaillé et en même temps fête de copains parce que j'invite toujours des bons copains pour jouer, donc ça mélange entre les deux. Acide Arabe, c'est ça? Acide Arabe qui fait et ta première et BFC, qui ouais. Font. Ouais. D'ailleurs on les a reçus il y a pas longtemps, ils ont enchaîné l'aérosol, c'était génial. Bon, je regarde s'il y a d'autres questions. Justement, tu disais que tu avais joué dans des festivals beaucoup dernièrement. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter ou un souvenir vraiment qui t'a marqué dans ta tournée? J'ai pas d'anecdote spéciale. Ce qui me stresse, c'est quand il y a un problème technique sur la grosse scénographie. Ah ouais, j'imagine. Et parfois, on a un problème moteur et les gars arrivent à réparer ça sans que même moi, je le vois. Tu t'en rends compte, ouais. Personne s'en rend compte, ni le public, ni ça. C'est ça, c'est le truc magique d'une équipe très efficace. Et on me dit après, on a un moteur qui a brûlé, et il a fallu. Tu vois, et tu t'en es même pas. Assez dingue, ouais. Ça, c'est beau. Alors, je regarde s'il y a des. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Du coup, je vais en sélectionner que quelques-unes. Hein, parce que moi, même si j'aimerais bien passer toute la soirée à te poser des questions. Voilà. Alors, quels sont tes projets pour 2018? Aurais-tu des surprises, par exemple, nouvel album? C'est la question de Morello Johnson. Alors, pas de nouvel album Vitalik, mais je fais de la musique. Sur d'autres projets, je suis en train de monter un groupe avec un groupe de deux, avec Julia Lanoé, Rebecca Warrior de Sexy Sushi. Ouais. Donc là, on est dessus. Je fais d'autres trucs à côté, mais pour Vitalik, je pense, je suis en train de faire une belle tournée. C'est aussi bien après disparaître pendant un moment. Ouais, bien sûr. Donc sous Vitalik, on est tranquille jusqu'en 2020, je pense. Ah bon? Ah ouais. Je pense. Okay. Oui. Voilà. Bon, t'as ta réponse. Est-ce que tes machines sont montées sur mesure? Ouais, c'est vrai qu'on en a vu une carrément, même avec ton nom inscrit dessus. Alors le cerveau du live, c'est une machine faite sur mesure qui s'appelle Cosmos en russe, Kokmok en français, nous on l'appelle le Kokmok. Et donc c'est une machine que j'ai dessinée avec un ingénieur allemand
qui est censé résister à toutes les épreuves des festivals à l'extérieur, avec la poussière, le soleil ou la pluie. Et donc ça réunit un Ableton, un contrôleur sur mesure et puis une carte son. Et d'ailleurs, tu parlais de Russie. Là, aujourd'hui, on a Rotonde Stalingrad. Ton nom Vitalik, c'est marrant. Oui. C'est marrant. Ouais. Je me suis rendu compte pensé. De ça hier en plus. Et du coup, ton nom Vitalik, ça a des sonorités un peu russes. Ça l'est complètement. Ah, ouais. Ça l'est. Ça l'est. C'est un prénom russe. Et pourquoi tu as choisi ce nom? Parce que je le trouve très musical. Et ça sonne. Je suis russophone. Et ça sonnait. Ça donne. J'aime bien les trucs descriptifs comme Voyager ou tu vois, quand on comprend les choses. Par le nom, et donc Vitalik, il y avait cette histoire d'énergie, et en même temps, le hic un peu métallique, un peu rock, tu vois. Ouais. Donc c'était très descriptif, ça m'a plu tout de suite. Ok. Je pense que ce soir, tu es regardé par beaucoup de personnes que tu inspires. D'ailleurs, on le voyait dans les commentaires des gens. Donc j'aurais une question que je pose souvent, et que je trouve intéressante, et je pense que pas mal de personnes vont écouter ta réponse. Quel est le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans la musique ? Technique, je peux pas donner de conseils, mais particulièrement intéressant. Mais sur la direction artistique, je pense qu'il y a tellement d'offres en musique, il y a tellement de musiciens, il y a tellement de disques, il y a tellement de sorties, il y a tellement de tout en quantité incroyable que d'après moi, la seule façon de sortir du lot, encore plus maintenant qu'il y a 15 ans quand moi j'ai commencé, c'est vraiment de faire un truc à part, parce que c'est un flow continu comme ça, et c'est vraiment de mettre qu'est-ce que moi je suis, en quoi je suis différent des autres, et qu'est-ce que j'ai à dire, en quoi je suis spécial. Et c'est ça à mon avis là, la D'accord. clé. D'accord. Je check s'il y a une dernière question. Les gens veulent ton coq moque. Mon coq moque n'est pas disponible, voilà, à la vente. Il n'est pas disponible à la vente. J'en ai parlé avec le mec qui a créé ça avec moi, et il refuse de mettre en vente des machines. Je pense que ce serait un succès, mais il refuse de les mettre en vente. C'est, il veut absolument que ce soit unique. Ouais. Bah, je trouve ça génial. Bon, on a une petite tradition chez Cercle, c'est la boîte mystère. Donc c'est un cadeau qu'on offre à nos invités. Ouais. Elle est là en face de toi. Tu peux découvrir le cadeau qu'on t'offre. Alors il y a un cadeau de notre part et un cadeau de la part du lieu, la Rotonde Stalingrad, qui t'accueille ce soir. Alors ça, c'est de la part de la Rotonde. Donc c'est un livre sur le bassin de la Villette. Un livre sur le bassin de la Villette, puisque on est juste à côté du bassin de la Villette. On est vraiment à côté, voilà. Oui. Ben super. En plus, je crois qu'ils t'ont gâté, alors il y a plein de cadeaux. Il y a plein de cadeaux, oui. Voilà. Je regarde tous vos commentaires en ligne, vous avez été très très nombreux ce soir. Bon, il y a beaucoup de questions, je suis désolé tout le monde, on ne pourra pas toutes les poser. Comment ? Non, c'est pas un truc à manger. Alors ça, c'est en rapport, justement, on en parlait tout à l'heure, avec le lieu et avec ton nom. Et... Stalingrad, c'est ça, non ? Ah, une matryoshka. Voilà, une matryoshka, avec l'accent et tout. On a matryoshka. Voilà. Ben super, ouais, j'en ai pas à Paris. Un en petit plus, souvenir. Ouais, en plus, t'en as pas. J'en ai dans ma maison à Dijon, oui, mais dans mon appartement à Paris, j'en avais pas. Donc ben, du voilà. coup, elle sera la bienvenue sur mon étagère. Donc voilà, est-ce qu'on peut la montrer un petit peu ? Parce qu'elle est très jolie, celle-là. En plus, il me semble, pour la petite histoire, que c'est la première qui a été importée. En fait, c'était la seule qui était autorisée à l'exportation pendant l'URSS, ce D'accord. modèle-là. Voilà, pour la petite histoire. Bon, en tout cas, je voulais, au nom de Cercle et au nom de tout le monde, te remercier d'avoir accepté cette invitation. C'est moi, c'était super. C'est vraiment, j'étais un peu stressé, mais c'est vraiment agréable. Oui. C'était les caméras qui te stressaient ? C'était, en fait, non, le fait de jouer avec beaucoup de lumière. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Parce que j'ai mon show habituel avec ma scénographie avec et mes toi. Lumières. Et du coup, me retrouver comme ça, c'était, ça demandait Monsieur un petit de temps d'adaptation. Okay. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Vous pouvez retrouver Vitalik. Pardon ? Ah oui, je ne sais pas. Oui, alors c'est... Ah, il y a un autre cadeau, pardon. Ah voilà, donc c'est cette maquette-là qu'on voit là. Mais voilà, je ne sais pas, on me fait des signes. Ah, pour ton fils, voilà. Pour mon fils ? Voilà, pour ton fils. Tu penses qu'il aura la patience de faire un truc ? C'est voilà, moi, il faut la montrer. C'est moi qui vais la faire, c'est sûr. Ben merci, oui. Ben c'est beau cadeau. Hein.
Et puis vous pourrez donc retrouver, enfin, amis parisiens, vous pourrez retrouver Vitalik au Zénith le 2 décembre, on vous a mis le lien. Et puis sinon, je suppose dans plein d'autres villes de France, du monde, bientôt, tu continues un peu ta tournée. J'ai continué un petit peu en France, mais j'ai déjà fait pas mal de festivals. C'est annoncé sur sa page. Et merci à tous, merci à nos partenaires qui vont s'afficher sur l'écran. Et merci à tous de nous avoir suivis aussi nombreux. Vous étiez plus de 100, il me semble 150 000 ce soir, donc c'est un nombre toujours qui nous fait totalement halluciner. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve lundi prochain et on vous fait plein de bisous et bonne semaine à tous. C'était pas mal, hein? C'est bien débrouillé.